Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour le top 20 shonen, mon top 20 shonen, qui a déjà eu une vidéo top 20 seinen que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu sur la chaîne. À chaque fois, je le fais à l'avance sur Instagram, c'est-à-dire que je fais des posts tous les 3-4 jours où je mets ce classement. Donc ça a été le cas avec le top 20 seinen et ça a été le cas avec le top 20 shonen. Donc si vous me suivez sur Instagram et si vous suivez régulièrement mes posts, vous avez pu déjà voir ce top 20 shonen. Mais je vais en parler un petit peu plus, et je vais en parler surtout à l'oral, pour revenir sur chaque manga et pourquoi c'est classé à cette place-là. Donc, sans plus attendre, voici le top 20 shonen, c'est parti. Et on commence à la 20e place avec Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, c'était un shonen qui était, je pense, un peu plus haut dans mon classement avant le tome 20. Mais qui est un petit peu descendu dans le classement, qui est bien même descendu du classement depuis le tome 20 et depuis cet arc superflu. Le manga aurait pu se terminer en 20 tomes, mais malheureusement l'auteur a décidé d'en faire autrement et de le continuer, mais ça passe pas très bien. Tokyo Revengers, ça va nous parler de... C'est un furio, donc qui nous parle de gang un petit peu au Japon et qui va nous parler aussi de voyage dans le temps. Donc en fait le personnage de Takemichi qu'on voit sur la couverture va voyager dans le temps pour changer en fait le destin de sa petite amie de l'époque. Donc il va retourner 12 ans dans le passé et on va suivre ces aventures là et à chaque fois qu'il retourne dans le passé il change quelque chose mais ça suffit pas, donc voilà, c'est une boucle on va dire, et ça passe vraiment bien jusqu'au tome 20 et après beaucoup moins, donc c'est pour ça qu'il est placé à la 20e place parce que j'aime beaucoup ce shonen mais je l'aime moins depuis un moment. À la 19e place, on retrouve Kaiju No. 8, un shonen que j'affectionne particulièrement. C'est ma lecture bonbon en fait, à chaque fois que ça sort Kaiju, j'ai trop hâte. Je le lis direct parce que j'adore vraiment. Kaiju, donc ça va nous parler d'un héros, et un héros qui est assez spécial pour un héros de shonen, puisque c'est un héros qui a une bonne trentaine. Et d'habitude, les héros de shonen sont assez jeunes, c'est plutôt des adolescents, voire des enfants. Et là, on se retrouve avec un héros qui est à la limite de l'âge maximal pour intégrer donc, les forces de défense pour combattre les Kaiju. Et donc on va voir son parcours un petit peu et surtout en fait c'est un manga très régulier dans le rythme, dans tout ça, et c'est un manga dont on ne se lasse pas, en tout cas moi je m'en lasse pas. À chaque tome je me dis en fait c'est super efficace quoi Kaiju, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il se classe à la 19e place. Il pourrait même se passer plus haut à l'avenir, mais je pense que voilà, c'est un petit peu cette place là, on va dire que ça révolutionne rien, Kaiju number 8, mais par contre c'est un ça le fait dans le classique et ça le fait très très bien avec des éléments nouveaux et avec un petit peu d'originalité, donc voilà, très très bon shonen que je vous recommande. À la 18e place, Dandadan, c'est un shonen pour lequel j'avais d'abord lu les deux premiers tomes. Il y avait une promotion incroyable de Crunchyroll, puisque c'était un petit peu le premier manga à l'effigie de Crunchyroll justement, avec le nouveau logo, etc. Le tapage avait fait que j'avais fait des grosses attentes. Les deux premiers tomes sont pas les meilleurs. En fait, Dandadan, ça fait comme ça. C'est-à-dire que les deux premiers tomes pour moi sont les moins bons de la série, et après par contre ça envoie du pâté, et aujourd'hui ça se classe à la 18e place parce que j'avais fait le classement il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, et je pense qu'aujourd'hui il est monté dans ce classement, donc je laisse le classement comme il est sur Instagram, mais je pense qu'il est monté parce que de tome en tome, Dandadan ça régale quoi, c'est incroyable. On est sur cette fille et ce garçon voilà, qu'on voit sous sa forme transformée, qui tous les deux, l'une ou l'un ne croit pas aux extraterrestres et l'autre ne croit pas aux fantômes, et finalement ils vont se rendre compte que les deux existent et ils vont s'allier, il va y avoir une sorte de petite romance entre eux, et surtout c'est complètement loufoque, c'est complètement what the fuck, et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais c'est what the fuck, mais c'est très bien fait dans le what the fuck, c'est à dire que on comprend quand même ce qui se passe, on n'est pas totalement perdu, mais on comprend juste assez en fait pour totalement kiffer ce manga, et c'est mon cas, donc ça se classe en 18e place, Dandadan. 17e place pour Evangelion, Neon Genesis Evangelion, dans cette belle perfecte.
Moi, Evangelion, je connaissais pas avant que cette perfect sorte. J'ai pas vu l'animé, j'avais pas lu le manga, et j'ai profité de cette perfect justement pour tout lire. Et j'adore, tout simplement, j'adore. En plus, lire dans cette édition avec les pages couleurs, etc. C'est un pur délice. Et j'adore l'histoire, en fait, cette histoire de robots un petit peu. Pourtant, c'est pas trop mon truc normalement. Mais voilà, je trouve les personnages assez bien écrits. Je trouve l'histoire plutôt passionnante. Et voilà, l'édition participe aussi au confort de lecture. À l'heure où je tourne cette vidéo, le dernier tome de la Perfect Edition n'est pas encore sorti, et j'ai pas lu le tome 6 non plus, donc je sais pas la fin de l'histoire, mais en tout cas, sur les 5 premiers tomes, c'est un manga qui vaut le détour, et c'est un manga qui m'a beaucoup plu. Je suis très très content d'avoir eu cette Perfect et de l'avoir acheté. 16e place pour Ascension, qui est un manga que j'ai découvert grâce à vous. Puisque c'est le gagnant du deuxième tournoi des achats manga sur la chaîne, et donc qui avait gagné ce tournoi, et donc j'ai dû l'acheter, et je suis très content de l'avoir acheté puisque aujourd'hui il se classe dans mon top 1 shonen, parce que c'est un très très bon shonen qui va nous parler d'alpinisme principalement, et surtout de ce personnage qui s'appelle Buntaro Mori. Et qui est très très particulier, hein, qui est très introverti et qui est totalement passionné par l'alpinisme depuis qu'il a découvert avec un cours d'escalade en fait dans ses années lycée. Et on va suivre son ascension justement. C'est un manga qui part totalement sur vraiment l'alpinisme à partir du 3e-4e tome. Et c'est à partir de là pour moi que ça devient vraiment très intéressant, Ascension. Bon, les dessins sont incroyables, les couvertures sont incroyables aussi. Et c'est un manga qu'il faut découvrir absolument. Moi, j'ai pas beaucoup de mangas de sport. Je crois que c'est l'un des premiers que j'ai acheté. Et ça donne envie en fait de lire du manga de sport quand on voit c'est travaillé à ce point-là, ça mérite d'être lu. Et voilà, ça se place aujourd'hui à la 16e place. 15e place pour un grand classique du shonen, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter aujourd'hui c'est en 37 tomes, c'est à l'arrêt. Hein. C'est une série qui est très longue dans la publication puisque son auteur prend pas mal de pauses, alors pour des problèmes de santé. Pour toutes sortes de problèmes, et donc c'est très long. Moi j'ai commencé que récemment, heureusement d'ailleurs, parce que je plains ceux qui lisent depuis longtemps et qui lisent les chapitres au compte-goutte. Moi c'est pas mon cas, j'ai commencé Hunter x Hunter je crois l'année dernière ou l'année d'avant en animé peut-être. Et j'aime beaucoup ce shonen. Il y a des arcs que j'aime particulièrement, alors l'arc de l'examen Hunter au début, l'arc des fourmis qui est exceptionnel. J'aime un peu moins la fin, même beaucoup moins la fin, les 2-3 derniers tomes où en manga papier, Hunter x Hunter c'est assez indigeste. Il y a beaucoup beaucoup de textes, très peu de dessins, et c'est pas vraiment ce que je cherche dans un manga. Honnêtement, moi dans un manga je cherche un bon équilibre. Donc qui est du texte, mais surtout des dessins, parce que c'est pour ça qu'on lit des mangas et pas des romans, même si j'aime lire des romans aussi. Mais quand je veux lire un manga, je veux pas qu'il y ait autant de texte, et c'est ça le problème de Hunter x Hunter. Dans la plupart des tomes, ça passe bien dans les bons arcs, ça passe un peu moins bien dans un arc qu'on découvre comme ça, qui en plus s'arrête en plein milieu, parce que le tome 37 est le dernier tome sorti, et je pense que le tome 38 sortira pas avant des années. Donc ça passe moins bien dans ce dernier arc, mais en tout cas c'est quand même un très très bon shonen qui fait partie des classiques, et c'est pour ça que ça se place 15e aujourd'hui. À la 14e place, Chainsaw Man qui est un shonen que j'affectionne particulièrement, qui est le premier manga de Tatsuki Fujimoto que j'ai lu. Bon, c'est son plus populaire, hein, c'est normal. Et depuis que j'ai découvert Tatsuki Fujimoto, j'ai lu tout ce qu'il a fait, en fait tout ce qui est sorti en France. Et j'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup son travail, notamment sur Fire Punch, qui se classait dans le classement Seinen plutôt. Petite précision d'ailleurs, hein, je prends la classification qu'il y a sur Manga Collect. Donc il se peut qu'il y ait des mangas qui soient classés dans ce classement et que
qui soit considéré plutôt comme seinen, ou même dans le tome 20 seinen qui était considéré comme shonen. Je sais par exemple que Kingdom, qui est classé numéro 1 dans le tome 20 seinen, est souvent considéré comme un shonen. Mais moi je prends la classification de Manga Collect, comme ça je suis que cette classification là, qu'elle soit juste ou fausse, au moins j'ai la même ligne directive. Pour en revenir à Chainsaw Man, un très très bon manga qui va nous permettre de parler de Denji, qui est un adolescent qui a une vie pourrie, hein, on va le dire, et pour rembourser les dettes de son père, il doit faire toutes sortes de travaux bizarres, et il est accompagné d'un petit démon tronçonneuse qui s'appelle Pochita, et le chien démon tronçonneuse, voilà, il va être rattrapé par justement ses créanciers, et il va fusionner avec ce démon tronçonneuse, et on va voir ses aventures à Denji et donc à Chainsaw Man maintenant, puisqu'il s'appelle Chainsaw Man quand il se transforme, et c'est super comme manga, c'est complètement what the fuck aussi, mais ça vaut le coup. J'aime beaucoup le style de Tatsuki Fujimoto. Ça part un petit peu en sucette au bout d'un certain moment de Chainsaw Man, mais j'aime beaucoup la tournure que ça prend. Je sais que certains aiment moins la deuxième partie de Chainsaw Man, moi j'aime beaucoup, et j'aime bien aussi la deuxième saison qui a commencé récemment avec le tome 12. J'ai hâte de voir où ça nous mène. Donc Chainsaw Man en 14ème place plutôt. Un autre shonen que j'affectionne particulièrement, de toute façon je les affectionne tous hein, s'ils sont dans cette liste, c'est Frieren, qui se classe donc à la 13ème place. Frieren, ça va nous parler de cet elfe qui a une longévité, une durée de vie une espérance de vie très très longue par rapport aux humains, et qui va s'en rendre compte petit à petit, et qui va se rendre compte qu'elle n'a pas le même rapport à la vie en fait que les humains, puisque nous, notre passage sur Terre est au final très court à son échelle, elle, qui vit des centaines, des milliers d'années. Et c'est un manga voilà, sur le temps, sur l'aventure, sur l'amitié, qui reprend les thèmes principaux du shonen, mais avec beaucoup d'originalité, avec beaucoup de... qui est très touchant, qui est très... qui prône la liberté, qui prône l'aventure, et je l'aime beaucoup, et pareil, c'est de mieux en mieux. Frieren, franchement, c'était déjà très très bien au premier tome, et ça s'améliore de tome en tome. Je crois qu'on en est au tome 8, quelque chose comme ça aujourd'hui, et je me régale à chaque tome. Dès que Frieren ça sort, je me jette dessus, j'étais un lecteur de leur première heure, parce que le jour où il est sorti je l'ai acheté, et je regrette pas, parce que c'est vraiment très très bon. Frieren, je vous le recommande si vous n'avez pas encore craqué. 12ème place pour Bakuman, qui est un indispensable si vous voulez découvrir comment sont faits les mangas au Japon, et surtout comment ça se passe le monde de l'édition au Japon, puisque pour être publié dans le Jump, il faut passer par toutes sortes d'étapes, toutes sortes de galères, et on va voir ça avec nos deux personnages, donc l'un qui est dessinateur et l'autre qui est scénariste, et ils vont s'allier tous les deux en fait pour dans le but de faire le meilleur manga de tous les temps, le meilleur shonen de tous les temps, et être publié le plus souvent dans le Jump. C'est un manga qui est à la fois un manga documentaire, à la fois autobiographique, donc des auteurs Takeshi Obata et Tsugumi Oba, qu'on connaît notamment pour Death Note, et qui est vraiment super intéressant. Alors c'est assez lourd en termes de texte, en termes d'information, mais c'est une mine d'or, je trouve, sur le monde du manga. Si vous voulez vraiment approfondir votre connaissance du monde du manga, lisez Bakuman, parce que vous allez vous régaler. Moi j'ai trouvé ça passionnant, j'avais dévoré les 20 tomes, alors en longtemps, parce que ça met du temps à se lire Bakuman, mais ça vaut tellement le coup. Voilà, Bakuman, le manga référence dans son genre, dans l'explication justement du monde de la publication et de l'édition de manga au Japon. Aux portes du top 10, on retrouve One Punch Man, un shonen que pas mal de gens aiment. J'en fais partie, j'adore One Punch Man, j'adore cet humour, cet univers, ce personnage de Saitama, le personnage de King qui est exceptionnel aussi. Voilà, c'est totalement loufoque, le principe même du manga, c'est un mec qui arrive à terrasser tous ses ennemis en un coup de poing. À partir de ce moment-là, quand on réussit à faire un manga qui fait aujourd'hui 27 tomes avec juste ce thème-là, c'est qu'on a des...
du culot, en fait, hein, beaucoup de culot. Et c'est le cas de One, du coup, qui est le créateur original de One Punch Man, qui dessinait à la base tout seul One Punch Man, mais c'était un peu dégueulasse, hein, il dessine pas très bien, One. Et du coup, qui a décidé de faire One Punch Man avec Yusuke Morata en dessinateur, Yusuke Morata qui est un très très bon dessinateur. Et voilà, aujourd'hui One Punch Man c'est un des mangas les mieux dessinés que j'ai en tout cas dans mon mangatech. Et c'est exceptionnel tout simplement. One Punch Man, lisez One Punch Man, vous n'avez pas le choix. Si vous aimez les shonen, si vous aimez un petit peu la baston, l'humour, tout ça, One Punch Man c'est un incontournable. On rentre dans le top 10 avec A Silent Voice qui est un manga sur le handicap. Alors moi j'avais d'abord vu le film de Silent Voice, qui est très bien, un film d'animation qui est très très bien, et j'avais décidé d'acheter le manga parce que j'avais envie de redécouvrir l'histoire. C'est très très bien un manga aussi. On va découvrir en fait ces deux personnages, donc elle est sourde, et lui c'est un petit peu son... c'est sa souffre-douleur quand ils sont jeunes, et on va suivre leur vie, leur évolution dans la vie en fait, et l'évolution de leur relation aussi, et c'est super... super intéressant sur l'acceptation justement du handicap, que ce soit dans le rôle de la personne qui détient le handicap ou dans la personne qui ne respectait pas le handicap et qui va apprendre à le respecter justement et à se lier d'amitié voire plus avec cette personne là. Donc lisez Silent Voice, c'est un manga super touchant, c'est une très très belle histoire et c'est pour ça que ça se classe toujours dans le haut de mes classements parce qu'il est vraiment spécial ce manga et il vaut le détour. 9ème place pour The Promised Neverland, qui est un manga que j'adore, hein. Forcément, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. J'adore le premier arc, hein, dans l'orphelinat. En fait, le principe, ça va être ces enfants-là qui vont être dans un orphelinat où, a priori, tout se passe bien. Mais dans les faits, tout se passe pas bien du tout. Et ils vont découvrir ça assez vite dans le premier tome. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu The Promised Neverland. Si vous n'avez pas lu, il faut lire absolument The Promised Neverland. J'aime beaucoup les arcs d'après aussi. Je sais qu'ils sont un petit peu décriés. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe après. Et voilà, c'est des personnages très marquants. Emma, Norman, Ray et les autres personnages qu'on croise tout au long du manga. Voilà, The Promised Neverland, un très très bon shonen, une très très belle histoire en 20 tomes. Pareil, une histoire qui reprend pas mal les valeurs du shonen avec l'amitié, l'aventure, etc. Et qui le fait très très bien. 8ème place pour Hikaru no Go dans cette superbe édition de chez Delcourt Tonkam, que je suis très très content d'avoir. Donc un manga de Takeshi Obata et Yumi Ota au scénario. Donc forcément, si c'est du Takeshi Obata, c'est très bien dessiné. Et ça va nous parler de Go. Moi, c'est pour ça que j'ai mis du temps à l'acheter, parce que je me suis dit, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, je connais pas bien, et est-ce que j'ai envie d'apprendre à le connaître? Alors oui, pourquoi pas, mais de là, aller m'acheter 20 tomes sur un manga qui parle de Go, je suis pas sûr. Et puis je me suis laissé convaincre, et j'ai franchi le pas, et j'ai bien fait, parce que c'est l'un des meilleurs shonen que je connaisse. C'est super intelligent, c'est super bien rythmé, et surtout en fait le personnage de Hikaru qui est ici, qui ne connaît pas du tout le Go à la base non plus, va nous faire passionner par le Go au fil des tomes aussi, parce que lui au début il s'en fout complètement du Go, il veut pas y jouer, et petit à petit il va se passionner un petit peu, il va se prendre au jeu, et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a l'impression d'évoluer en même temps que lui sur la compréhension de ce jeu et sur justement la compréhension de la stratégie, etc. Alors je dis pas qu'on sait jouer au Go après avoir lu Hikaru no Go, c'est pas du tout le cas, mais on comprend un peu mieux en tout cas, et surtout on comprend grâce à toutes ses pensées et surtout à ce personnage aussi, Sai, qui est un ancien champion de Go il y a des siècles, et qui réapparaît quand Hikaru no Go ouvre le jeu de Go de son grand-père. Donc son esprit réapparaît et il va accompagner Hikaru justement pour l'aider tout au long de son aventure. Hikaru no Go, une lecture incontournable pour moi et une des plus belles éditions sur le marché français aujourd'hui. Alors là, on va enchaîner les classiques, hein. Death Note. Death Note qui est forcément un classique, qui est un manga que j'ai lu dans mon adolescence, un des premiers mangas que j'ai découvert. Et quel manga, hein, c'est incroyable. Je vais pas vous faire l'affront de vous rappeler le thème, hein, c'est Light Yagami qui trouve un livre qui s'appelle le Death Note. Quand il marque le nom de Jean dedans, il meurt d'une crise cardiaque, s'il ne spécifie pas la mort de la personne, et il va être accompagné par Ryuk, qui est un dieu de la mort.
Et on va suivre son aventure tout au long de 12 tomes. Et en fait, c'est un duel d'intelligence entre Light Yagami, qui est très très intelligent, et l'enquêteur qui s'appelle Elle, qui est un personnage très 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 intelligent aussi. Et ça va être une bataille mentale au lieu d'être une bataille physique, ce qu'on voit beaucoup dans les shonen, entre ces deux personnages. Et c'est ça qui est super intéressant dans Death Note, c'est cette bataille en fait entre les deux, cette bataille stratégique. Et moi j'adore Death Note, et je le recommande à n'importe qui, parce que voilà, il faut lire Death Note, et c'est pour ça que ça se classe à la 7ème place. 6ème place pour My Hero Academia. My Hero Academia, qui est un manga que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je l'ai découvert il y a 2 ans peut-être, voire même un peu moins. Et j'étais freiné parce que j'avais l'impression que c'était un manga pour adolescents, mais vraiment adolescents, et qu'on ne pouvait pas l'apprécier en étant adulte. Et en fait, c'est peut-être l'image que renvoie My Hero Academia, et c'est peut-être l'image qu'on s'en fait quand on lit le premier tome ou le deuxième tome, mais c'est pas du tout le cas en fait. My Hero Academia, ça progresse, c'est de mieux en mieux, de tome en tome, et surtout vers la moitié du manga, je crois vers le 27 tomes, vers 17 tomes, je sais plus, on switch totalement. Pour pas spoiler, je vais pas en dire plus, mais on se focus plus sur les personnages principaux, on va se focus sur d'autres personnages sur lesquels on n'a pas beaucoup l'habitude de se focus dans les shonen en général, et c'est ça qui apporte la dimension exceptionnelle de My Hero Academia. Et c'est pour ça que pour moi il se classe aussi haut, c'est d'avoir eu le culot de faire ça, de se concentrer sur d'autres personnages que les personnages principaux pendant quand même 2-3 tomes, et c'est ça qui va amener toute la tout le côté adulte qui va arriver en fait après ce tome là et on va rentrer dans une autre phase totalement de My Hero Academia. On a l'impression qu'on n'est plus dans le même manga, et voilà, ça évolue très très bien, et c'est un manga qui sait très bien se recycler. Les derniers tomes sont exceptionnels, enfin quasiment tout à part la fête de Yue est exceptionnel dans My Hero Academia, donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir. Surtout ne soyez pas freinés par les préjugés sur My Hero Academia qui le font passer pour un manga d'ado ou de gamin. C'est pas le cas, franchement c'est pas le cas, c'est un des meilleurs shonen qui existe aujourd'hui, et je le recommanderai jamais assez. À la 5ème place, Demon Slayer qui est pour moi l'un des meilleurs animés qui existe aujourd'hui en termes d'animation. J'adore l'animation de Demon Slayer, je surkiffe. C'est un des seuls mangas pour lequel l'animé est meilleur que le manga pour moi, puisque les dessins dans Demon Slayer sont quand même moins bons de ce qu'on peut voir dans l'animé. Voilà, j'adore l'histoire de Demon Slayer. Je sais que ça peut être assez classique, mais je trouve que c'est très très bien fait, c'est assez passionnant. Et voilà, on retrouve toujours les mêmes valeurs, hein, l'amitié, l'aventure, etc. Mais je trouve que c'est très très bien fait dans Demon Slayer. Les pouvoirs sont super intéressants, le fait d'être chasseur de démons comme ça, d'avoir des piliers, d'avoir cette progression du personnage principal, d'avoir sa sœur qui a été transformée en démon mais qui ne va pas tourner mal comme tous les démons, c'est super intéressant aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Demon Slayer. Pour moi c'est devenu l'un des classiques du shonen. Je sais que pas forcément tout le monde va être d'accord, mais pour moi c'est le cas, donc voilà, lisez Demon Slayer si c'est pas encore fait, au moins pour vous faire un avis, que vous aimiez ou pas. C'est quand même une lecture à faire au moins une fois dans sa vie. Une autre lecture à faire au moins une fois dans sa vie, Naruto à la 4ème place. Naruto aussi qui fait partie des mangas de mon adolescence. À peu près tous les mangas que vous allez retrouver maintenant, hein, c'est des mangas que j'ai lu assez tôt, et à l'époque du fameux Big Three avec One Piece, Naruto et Bleach. Moi je lisais plutôt, je lisais les trois, mais il y en a deux qui ont vraiment retenu mon attention, donc Naruto. Je vais pas vous raconter l'histoire de Naruto, mais moi j'adore Naruto. Alors c'est pas régulier tout le long. Je sais que l'arc de la guerre vers la fin est pas terrible, globalement la fin est pas au même niveau que ce qu'on voit dans Naruto et dans Naruto Shippuden, en tout cas dans le début de Naruto Shippuden, mais dans la globalité je trouve ce manga exceptionnel. Je trouve l'anime très très bon aussi, les musiques de l'anime elles sont jouissives, et voilà, c'est pour moi c'est l'une des bases de ce qu'est le shonen actuellement. C'est un exemple pour tous ceux qui font du shonen aujourd'hui. Et voilà, Naruto, ça mérite sa place dans ce classement et dans ce top 5, donc à la 4ème place. 3ème place pour mon premier manga, Dragon Ball.
Dragon Ball dans son édition pastel, hein, qui est chère à mon cœur, puisque c'est le premier manga que j'ai eu entre mes mains. Et voilà, je sais que l'édition perfecte est très très belle. Je dis pas que je craquerai pas un jour, mais j'ai tellement de nostalgie pour cette édition que je la garde et que j'aime beaucoup. Bon, c'est dans le sens de lecture français. Hein. Dragon Ball, est-ce qu'on en parle? C'est la base du shonen, c'est le papa du shonen actuel. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui prennent exemple sur Akira Toriyama et qui le prennent pour un dieu. Hein, je pense que c'est assez mérité dans le monde du manga. Voilà, j'adore Dragon Ball, hein, j'adore. Je me le suis revu un nombre de fois incalculable. Les personnages sont tous exceptionnels, l'histoire est exceptionnelle. Et je parle bien de Dragon Ball et Dragon Ball Z, et pas de Dragon Ball Super, que je ne possède pas, que je ne posséderai pas. J'ai lu en scan, ça m'intéresse pas, et j'ai arrêté ma lecture d'ailleurs. Voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment en dessous. Pour moi, Dragon Ball, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z, et rien d'autre. Deuxième place pour Full Metal Alchemist dans cette magnifique édition. Alors moi, je possédais l'autre édition avant, et c'est l'un des seuls cas où j'ai revendu mon ancienne édition pour acheter la nouvelle, tellement elle est magnifique. L'une des plus belles avec Hikaru no Go pour moi actuellement. J'ai pas encore eu l'occasion de la lire dans cette édition, puisque j'attends que tous les tomes soient sortis avant de relire Full Metal. Je connais par cœur, hein, Full Metal. J'ai adoré l'animé aussi, Brotherhood. C'est un manga aussi que je lisais dans mon adolescence et que j'ai surkiffé forcément. Je trouve que ce manga est parfait en fait. Je trouve qu'il n'y a rien à y redire. Tous les arcs sont parfaits. Il n'y a aucun défaut en fait à Full Metal. Ça se classe en deuxième place parce que le premier manga est le shonen le plus cher à mon cœur. Mais objectivement, ça mérite d'être au top de tous les classements shonen qui existent, en tout cas pour moi, d'après mes lectures. Voilà, Full Metal, c'est juste exceptionnel et je vous le recommande si vous n'avez pas encore franchi le pas. Surtout avec cette édition, ça vaut le coup. Et surtout avec l'anime Brotherhood, qui est d'une qualité exceptionnelle aussi, avec pour moi les meilleurs openings qui existent aujourd'hui dans les animés que j'ai vus en tout cas. Vous vous en doutez, vous voyez l'étage bien rempli derrière moi avec toutes sortes de goodies. C'est le manga pour lequel j'ai le plus de goodies, c'est le manga qui est le plus important pour moi. Alors je parle pas de Kingdom, qui est je pense mon top 1 tout manga confondu, mais en termes de nostalgie, mon top 1 c'est celui-ci, c'est One Piece, qui est le premier shonen que j'ai lu après Dragon Ball me semble-t-il, qui est le shonen le plus cher à mon cœur. J'ai relu One Piece des vingtaines de fois, je pense. Je suis en train de regarder l'anime. Alors, j'avais commencé par l'anime quand j'étais plus jeune, quand je devais avoir 14-15 ans, je pense. Et j'avais arrêté au moment, je pense, de la guerre de Marineford. Et j'ai repris l'anime assez récemment pour le montrer à ma femme, qui n'avait jamais lu ni vu One Piece. Et on en est assez loin maintenant dans l'anime. J'espère pouvoir être à jour prochainement pour les beaux épisodes qui s'annoncent. Mais voilà, One Piece pour moi, ça m'a inculqué des valeurs en fait dans la vie. En fait, ça a eu une incidence sur ma vie et c'est pour ça que c'est premier aujourd'hui. C'est que je pense que c'est le seul manga de toute ma collection qui a eu une vraie incidence sur ma vie, qui m'a fait grandir, qui m'a accompagné en fait tout au long de ma vie, parce que One Piece est toujours en cours. Et donc ça fait plus de 15 ans que je le lis, et ça fait plus de 15 ans que toutes les semaines j'attends mon petit chapitre à la fin de la semaine, et voilà, donc ça a rythmé un petit peu ma vie, c'est-à-dire que je sais que tous les vendredis, bon maintenant c'est tous les jeudis je crois, tous les dimanches si on lit avec Manga Plus, je sais que j'attends mon petit chapitre, et voilà, quand ça fait 15 ans qu'on fait ça, forcément ça a une trace, ça laisse une trace dans une vie, et voilà, One Piece... J'adore tous les personnages, j'adore. Alors c'est pas un manga parfait, hein, y a des arcs qui sont beaucoup moins bien, il y a des arcs qui sont exceptionnels. Je pense que je ferai peut-être une vidéo dédiée à One Piece un jour, mais je pense notamment à Marineford, à Enies Lobby, etc. Et voilà, One Piece, ça se place en premier, de loin, aujourd'hui, dans mon classement, parce que c'est One Piece, tout simplement, et il n'y a pas d'autre explication, et j'ai pas à me défendre sur ça, c'est One Piece, c'est numéro 1. Incontestablement. Et c'est la fin de ce top 20 shonen. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas
à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à mettre en commentaire quel est votre top 1 ou votre top 10 shonen. Si vous êtes d'accord ou pas avec mes choix, alors vous n'avez pas à être d'accord ou pas d'accord, justement, c'est mon propre classement. Donc je sais que ça va être, qui va pas ressembler au classement de quiconque. Hein, c'est tout à fait subjectif. Hein, je sais très bien que, par exemple, One Piece, c'est peut-être pas le meilleur shonen qui existe. C'est pas le plus exempt de tout reproche. Mais voilà, la nostalgie rentre en compte. L'affect rentre en compte. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres classements. Je pensais peut-être à faire un classement des one-shots ou des séries courtes à voir. En tout cas, ça sera en avant-première sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et à chaque fois, ça sera republié sur YouTube sous forme d'une vidéo. Je pense que c'est tout. Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. On se retrouve très vite. Salut, à la prochaine. Ciao.